tout est tombé en fait, les décorations, les vitres ont vraiment bougé. On pouvait pas, enfin c'est comme si on était dans un bateau qui tanguait en fait. C'est la première fois et ça a été très très dur psychologiquement à vivre parce qu'on a nos parents qui sont à Marrakech moi et j'arrivais pas à les joindre. Donc on a un moment de panique et puis on se dit que notre heure est arrivée en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à réciter des sourates du Coran parce qu'on a vu notre heure arriver en fait. Je sais pas, c'est comme si en fait tu vois ta vie, toute ta vie passer dans une seconde ou deux, tu sais même pas quoi faire, quoi prendre, c'était vraiment... Je sais pas dire si c'était une bonne ou une pire expérience, mais en tout cas c'était une expérience par laquelle j'ai passé. Les murs ont tremblé, ça fait un bruit, j'avais l'impression qu'il y avait un moteur qui démarrait. Le temps de réaliser que c'est un séisme, c'était terminé. Avec une petite secousse de rappel ensuite, donc une nuit un peu compliquée parce que un peu angoissée, mais c'est rien par rapport à ce qu'on pouvait vivre certaines personnes. Dieu merci, on s'en est bien sortis.